Bonjour l'Assemblée. Bonjour. Pasteur, je suis choqué pour la dot. J'ai marié ma fille il y a 2 ans. Ils m'ont donné tout ça. Waouh. Mais dans la Bible, on parle de la dot. Très bien. Que je ne comprends pas. Très bien, frère. C'est la première fois que je viens ici. Oui. Je suis invité par mes amis ici. Ok. Mais quand vous parlez de tout ça, je suis choqué. It's the first time that our Parce que dans la Bible, here. On parle de la dot. Parce que dans la Bible, on parle de la dot. He married Très bien. His daughter 2 years ago, and he doesn't Et puis, il y a la bénédiction après. Très bien. Why we shouldn't practice on vous bénit dowry. Après. Très bien. Ça sert à quoi tout ça? He's Très bien. About all these teachings that we shouldn't practice dowry as it is Je done va today. Dans Exode 22. So he would like to understand. Le frère a dit que c'est sa première fois de venir ici. The first time that he came à une réunion comme celle-ci. To such a meeting. Et il est choqué parce qu'il y a 2 ans, il a marié sa fille, donné sa fille en mariage He's et shocked. On lui a demandé tout ça. He's shocked because 2 years ago he married his daughter and he was asked all these things. Va, on descend. On descend. Ok. On descend. Voilà. Verset 15. Exode 22, 15. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il payera sa dot. Il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père de la fille refuse... S'il refuse de la donner, il lui payera en argent la valeur de la dot des vierges. Frères, Brothers, Exodus 22, la Bible 15, parle de la dot, oui. The Bible speaks about dowry, yes, it's true. Mais pas telle qu'elle est pratiquée dans nos sociétés. But not as it's done in our days. Ça, c'est spécial alors. En fait, la dot biblique, c'est celle-là. This is the biblical dowry. C'est la loi de Moïse. Exodus 22 is the law of Moses. Sous la loi de Moïse. Under the law of Moses. Lorsqu'une femme vierge. When a virgin woman. Avait été séduite. Was seduced. Et avait eu des rapports sexuels avant les noces. And fornicated with a man before the wedding. Avant le mariage, la fête. Before the wedding, the feast. L'homme qui avait couché avec the man who had sexual relationships with devait her payer la dot qu'on appelle la dot de vierge. Qu'on appelle la dot de vierge. That it's called a dowry for the virgins. Ce n'était pas de l'argent. It wasn't money. C'était un argent métal. It was metal. It wasn't money, cash money. C'était pour réparer l'honneur de la famille. It was to repair the honor of the family. Parce que sous la loi de Moïse, dans la Bible, Because under the law of Moses, avant to the Bible, qu'il y ait consommation, before two people went together, rapport sexuel, speaking, il faut d'abord qu'il y ait les noces. First of all, the wedding has to take la place. Rencontre de deux familles. It was the meeting Car of both c'est families. Ce sont les parents qui marient leurs enfants. Because they are the parents who marry selon their la children, Bible. According to the Bible. Et non pas les pasteurs. And not the pastors who marry the les children. Parents. But the parents who voilà. Marry their children. Et les femmes qui avaient des rapports sexuels avant les noces. And women who fornicate before the wedding. Une dot des vierges avait été exigée. So a dowry for the virgin was asked for them. C'est la seule dot biblique. This is the only biblical Et ensuite, dowry elle est that we're told about. Mosaïque. And then it's under the law of Moses. C'était la loi. That was under the law. Et le mot dot signifie And the word prix dowry d'achat d'une épouse. To the price for Parce que La femme qui avait couché avec un homme avant le mariage était dotée pour réparer l'honneur de la famille, pour l'acheter. C'était ça en fait. Et l'homme qui avait couché avec, il devait la prendre comme femme. Et le père de la fille pouvait aussi refuser de donner son enfant à mariage. Même si elle n'était plus vierge, il pouvait refuser. Mais il prenait quand même la dot. But still, en argent métal. He had to take voilà. That dowry that was a metal. C'est la seule dot dont la Bible parle. This is the only dowry that we're told about in the Bible. Hein? Pour ne pas perdre trop de temps. Oui. En fait, on va se voir à la fin, mais tu t'es fait avoir comme beaucoup. You were misled as many. Les gens, les humains ne sont pas à vendre. Human beings c'est symbolique. Are not to be sold. Non, is quand it on symbolic? Dit symbolique, vous avez parlé de la dot. Donc quand il y a la dot, c'est que c'est la dot. Oui. Vous avez parlé de la dot. De la dot biblique. Donc, c'est quelque part, la dot existe. Tu sais, regarde, une question pour Mais toi. Mais chaque tribu, il a sa façon de faire. Regarde, une question pour toi. I have a question for you. Tu aimes le Seigneur? Do you love the Lord? Amen. Je suis là pour lui. I'm Très here bien. For him.
Les femmes qui avaient leur menstrues. Women who had their period. L'entrée du temple leur était interdite. Tu le they sais ça? They were forbidden to enter the temple. Tu le sais? Know this? C'est biblique ou pas? Is it biblical? C'est biblique. Yes, est-ce que is. C'est encore d'actualité? Is it, shall we practice est-ce que it c'est encore today? Valable aujourd'hui? Is it still valid non, today? Les gens n'ont pas entendu. Tu as dit non. Non. You said no. Pourquoi? Why? Parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais because sous la... We are no longer under the law, but under the les gens qui n'observaient pas le Shabbat, those who didn't observe on the les lapidait. Shabbat, they were stoned. C'est biblique. This is biblical. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? Is it still valid non. Today? No. Parce que ça, c'était la loi. Because that was under the law. Les étrangers strangers n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple foreigners de Jérusalem. Couldn't enter the temple in Jerusalem. C'est biblique. That's biblical. Mais ce n'est plus d'actualité. But it's no longer valid parce que c'est la loi de Moïse. Because that's under the law of Moses. La dîme, tithing, il fallait la payer. That they were asked to pay it. C'est biblique. Isn't it ça, biblical? C'était la loi de Moïse. Yes, but it was mais aujourd'hui, under the law of Moses. On ne doit plus la payer. But today we shouldn't pay it anymore. On est là. Si on est là pour Jésus, c'est pour, on va dire, que, entre guillemets, c'est pour la loi aussi. Quelle loi? Oui, on vient prier Jésus pour que la loi ne fasse pas partie. Très bien, frère. Vie. Très bien. La loi qui the dit says, tu aimeras ton prochain, d'abord le Seigneur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, strength, de toute ta pensée, et tu souls, aimeras ton prochain comme un like toi-même. Yourself. Ces deux lois, oui. These laws, yes. Oui. Maintenant, mon frère, on parle now, français, hein? Brother, you understand French. Le Seigneur a dit il faut French. Aimer ton prochain comme un the Lord said you should comme love your neighbor like yourself. C'est écrit. Isn't it written? Okay. Yes. Maintenant. Now. Dans Matthieu 5. In Matthew 5. Matthieu 7, 12. 7, 12. Matthew 7, 12. Le Seigneur a dit toutes les choses que vous voulez que les gens fassent pour vous. The Lord said everything that you want. Faites-le de même pour eux. Everything car c'est la loi et les prophètes. You also c'est ça, non? Do it for them. Okay. Because this is the law, right? Tu as une the fille. Prophets. You have a daughter. Tu me demandes de payer la dot. You're asking me to pay the dowry. Pour que mon fils épouse ta fille. For my son to marry your daughter. Je te demande pourquoi tu me demandes ça. I will ask you why are you tu asking dis, for the dowry? C'est pour honorer les parents. And you say it's to honor c'est ce the parents. Dit. This is what okay. They say, right? Je te pose la question. Pourquoi dois-je you, honorer les parents de la fille? Why should I honor tu the daughter's réponds, parents? Mais parce qu'ils l'ont engendré, you're gonna say, enfanté, they brought her, nourri, they gave birth to her, they éduqué, took her, they nourished okay. Her. I'll say, all right. Et moi, je te dirai aussi. And I will also tell you. Et moi, how about me? Qui suis aussi parent? I'm also a parent. N'ai-je pas engendré mes enfants? Didn't I give birth to my children? Ne les ai-je pas éduqués? Didn't I educate them? Ne les ai-je pas nourris? Didn't I feed them? Si. Yes, I did. Alors, ne dois-je pas être honoré autant que toi? So, shouldn't I be honored où as much as la you justice have been ordered? Dans where cette is justice pratique? In that practice? Where is voilà the pourquoi Yehoshua Mashiach, Jésus, this is why est venu Mashiach, Jesus accomplir la loi de Moïse. To accomplish the law maintenant, of nous sommes dans la loi spirituelle. Now we are under the spiritual law. Tu veux que je t'honore, tu you m'honores aussi. To honor you, you honor c'est ça la justice. This is righteousness. C'est ça la parole. This is the word. C'est ça la loi du Mashiach. This is the law of the Mashiach. Et c'est ça l'évangile. This is the gospel. Voilà pourquoi de acte 2, this is why from act 2 à la naissance de l'église to the birth of the church, jusqu'à Apocalypse 22, from to the aucun Hébreu n'a payé la dot. No Hebrew paid dowry. Aucun chrétien n'a payé la dot. No Christians paid ni la dot, from act 2 ni to la Revelation. Dîme. No, ni l'offrande d'action de grâce. Tithe, the offerings, et aucun n'a construit une église. No one, none of en parlant them de bâtiments. Church, parce que nous sommes, nous, le temple du Saint-Esprit. Because we are the temple nous of the sommes Holy des sacrifices vivants. We are living nous sacrifices. Sommes tous des prêtres. We are all priests. Amen. Amen. Voilà l'évangile, frères et sœurs. This is the gospel, brothers la dot de Moïse, c'est sous Moïse. Moses' dowry is under c'est fini ça. Moses. It's over now. Pasteur, Pastor, vous êtes un modèle de Jésus. Ce que vous faites là, vous faites comme Jésus. You do. C'est lui notre modèle. C'est lui notre modèle. Vous me prêchez, vous nous prêchez. Oui. Vous êtes un modèle. Oui. Donc, c'est que malgré la grâce, mais il y a quand même des modèles de Jésus. Mais la grâce, c'est quoi? What's grace? Qu'est-ce que la grâce? What is grace? Il n'y a plus de dot. Hein? Non. La loi n'existe plus. La loi de Moïse. The law of Moses. On précise. La loi de Moïse. Il faut préciser. Here. Oui, parce qu'il y a la loi de Moïse Moses. Et il y a la loi du Mashiach. La loi de Moïse, c'est toutes les prescriptions charnelles.
Il fallait que tu sois circoncis. It's all about the carnal, mais aujourd'hui, c'est fini. But all this is over. Que tu sois circoncis ou pas, si tu es en Christ et tu es sauvé. Whether you're circumcised or not, alors if you're Moïse in Christ, disait non. You're saved. But back then, under Moses, you were not. C'est ça la différence. This is the difference here. Donc si on te dit de payer la dot, tu ramènes encore les gens sous Moïse. So if you ask people to pay the dowry, you're bringing et them back to Moses. Si tu dis que la dot est biblique, and if you say that the dowry dans ce cas-là, is biblical, appliquons la dot telle que la Bible dit. The biblical dowry. C'est-à-dire, it means, il ne faut la payer que si une femme est vierge. You only have to pay the dowry if the woman is a virgin. Comme la parole dit. As the Bible reads, if you et si elle n'est pas vierge, if she's not a virgin, il n'y a pas de dot. You shouldn't pay the dowry. Deuxièmement, and secondly, si on doit la payer, if you should pay the dowry, il faut qu'elle soit des vierges avant le mariage. She needs to go have a sexual relationship before the troisièmement, wedding. And thirdly, il ne faut pas demander une liste. You shouldn't ask for a parce que Moïse n'a pas demandé une liste. Because Moses didn't ask il faut aller chercher a l'argent things. En métal. You shouldn't go and look for the metal. Tu le pèses. And you weigh et ensuite tu donnes. And then you give it ça, away. Ça, c'est Moïse. This is Moses. Ça, c'est ce qui est écrit. This is what's written. Et si tu ne le fais pas, if you do not do si it, tu fais le contraire, if you do the opposite, c'est que tu es anti-Christ. It means that anti-Moïse, you're anti-Christ. Anti-Moïse. You're anti-Moses. Et ça, c'est grave. And this is serious. Merci, pasteur. Mais vous comprenez, moi, je suis un peu choqué, mais je c'est vais normal. Temps c'est normal. Thank you, pastor. I'm a little bit et bienvenue shocked. Chez les fous. All this is new. Alléluia. Be welcomed among the crazy. Alors, acclame le Seigneur. Give the Lord a hand of applause. Alléluia. Alléluia. Mon frère, tu es du Congo. My brother, are you from Congo? Boni. Yes. Sangomalam, hein? Sangomalam. Alléluia. Je suis rejeté par près de 90% des Congolais. I'm rejected by over 80% of the Congolese. Hein? La dot en Afrique, c'est pas seulement au Congo. Dowry non, mais, non, je, j'arrive. Congo, but in Africa. J'arrive, ouais. Parce que c'est biblique en même temps. Honnêtement, honestly, 4700 euros. Discutable, c'est discutable. Ok, mon frère, je finis avec toi, avec ça. Quand on demande une dot, on demande une facture, non? When we ask hein? For the dowry, une facture. We ask for Trifaine, a bill, right? Montre-nous, Google, facture, définition. Let's go research for the definition of a bill. On finit bientôt, vous inquiétez pas. We're almost done, don't worry. Cet homme a un appel sur sa vie. This man has a calling on his life. C'est ce que le Seigneur vient de me dire. This is what the Lord just told me. Je le vois prêcher la parole, I see him enseigner preaching la parole, the word, teaching the word. Et c'est pour ça que le Seigneur l'a amené ici. This is why the Lord brought him here. Et il me dit de te dire que he's telling me to tell you that il va vraiment te faire retourner au pays pour beaucoup travailler là-bas. You're gonna go back to your country in order to une work. Une porte est ouverte pour toi là-bas. A gate is open pour faire before you le travail over du Seigneur. And you're gonna do the Lord's work. Trifaine, définition. Regarde mon frère la définition de du mot facture. Let's look for the definition of a bill. Ça donne quoi? Trifaine, sur Google, reste sur Google. Derrière, voilà, je crois que c'est la première définition. Voilà. Descends. Qu'est-ce qu'une facture? Voilà, c'est ça. La facture est un document qui donne le détail de prestations ou de marchandises vendues. It's a printed statement for money owed for goods or services. Donc, quand on demande une facture, therefore, whenever we ask for a bill, avant d'épouser une femme, before marrying a woman, ça veut dire que la femme en question est une marchandise it que l'on vend. That woman ça, c'est ce que le mot facture veut dire. This is what the word bill means. Et on ne voit pas ça dans la Bible, mon frère. And we do not see this in the Bible, my brother. On a remplacé la parole par nos traditions. We et c'est have ça qui est terrible. Replaced the tradition, the word, by our tradition. Mon frère, my brother, il n'y a pas de hasard. There's no coincidence. L'une des raisons pour lesquelles l'Afrique n'avance pas, one of the reasons why Africa doesn't move forward, c'est le poids des traditions. The weight of traditions. Comment? Je suis d'accord avec toi. I agree voilà. With you. C'est à cause de ça. Le Seigneur me permet de rencontrer des présidents africains. La haine. Hatred. Justement, comment voulez-vous que les gens ne puissent pas voir la haine quand on leur demande des sommes comme ça? Well, how alors qu'ils n'ont rien. People to have au Congo, hatred, pays dont nous sommes originaires tous les deux. Oui, je suis Congo, congolais. I'm from tu ne savais pas? You didn't know that I was from Congo. Togolais.
Our brother thought that our Congolais brother was from Togo. De père et de mère. He's Congolese. His mother and daddy were Congolese. Bon. Ça va, il y a 32 ans, j'étais un caïd sur Paris. Hein? I used to be a gangster 32 bref, years ago, regarde. Back in Paris. Grâce au Seigneur, thanks to the Lord, je rencontre quelques autorités, des présidents, des députés. Presidents. Un président africain m'a reçu à la maison chez lui. An African president received me in his house. Je lui ai dit, Monsieur le Président, il faut and arrêter avec him, le péché. Mr. President, you should stop. Il faut arrêter avec l'impunité. You should stop fornicating. Il a plusieurs femmes. He has many wives. Il en a au moins 9. He has at least 9, you know. Les traditions. Traditions. Imagine chaque femme. Now try to picture. Vient avec every son village. Comes with their own village. Donc, il faut plusieurs chauffeurs. Therefore, many drivers are needed. Pour chaque femme. For one wife. For each pour wife. Pour une femme, il faut au moins 3 ou 4 chauffeurs. For one parfois. Wife, they need 3 or 4 drivers. Plusieurs gardes de corps. Many il bodyguards. Payer aussi sa tribu. You also have to ses pray. Ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses nièces. For the tribe, the aunties, uncles, nieces. Des millions d'argent sont dépensés juste pour les femmes. Millions of money has been spent only for the le women. Le poids de la culture. This is the weight des of traditions, culture. Des coutumes. And traditions. Et j'ai eu un autre président. I met another president. Je lui dis la même chose. And I told je lui him des the conseils. Same thing. Il n'écoute pas à cause des traditions. Des pasteurs qui les entourent ne peuvent pas leur parler selon la vérité à cause des traditions. Pastors who surround them cannot tell them the truth because of traditions. Ce sont des chefs coutumiers. Je suis d'accord avec toi. Donc, chef coutumier, qui dit chef coutumier, coutumier, coutume, tradition, culture, sorcellerie. Voilà comment le Congo, qui est le pays le plus riche au monde, se retrouve aujourd'hui dans cette situation. The richest country in the world is in such a state today. Trifène, mets-lui la vidéo de l'inauguration du centre hospitalier au Congo. Tu vois, je pleure beaucoup pour l'Afrique, pour les nations, pour l'Afrique. I cry a lot for nations and especially for Africa. À cause des traditions. Because of traditions. On va souvent, en tant que Congolais, accuser les autres peuples. Oh, ce sont les Rwandais, ce sont les Rwandais, ce sont les Rwandais. C'est facile d'accuser toujours les autres. Je ne parle pas des présidents qui sont souvent instrumentalisés, qui font des dégâts, mais je parle des peuples. We're not talking about the presidents here. Des peuples. No, I'm talking about the people. Pour qu'un étranger vienne chez toi et tue tes enfants dans ta maison, c'est que toi tu l'as voulu. C'est que tu as ouvert ta porte, n'importe comment. Tu vois, non? On va accuser les autres, accuser les blancs, accuser les noirs, accuser tout le monde. Ce sont nos traditions. Le problème, premier problème de l'Afrique, de son sous-développement, de toutes ces guerres de tribus, sont les traditions. It's because of all traditions that there are all these wars. Les traditions. Traditions. Et les gens ne veulent pas s'affranchir des traditions. And people do not want to be freed from these traditions. C'est pour cela qu'il y a des ministres africains, je ne veux même plus les voir. This is why I cannot stand anymore. Quand j'entends, il y a un ministre qui veut te voir, je dis au pasteur, à mes collaborateurs, occupez-vous de ça là. Je veux when même plus. Parce que an African minister wants to meet him, un ministre arrive au pouvoir, il prend 4, 5, 6, 10 femmes. Because a minister who's legally in jail have 3, 4, 5 women who's in charge. Les traditions. Because of traditions. Donc on est révolté. We are revolted. C'est facile d'accuser les autres. Ah les, it's les gens, easy to accuse ah les autres, others. Ah les autres, ah les autres. It's because quand of others. On ne veut pas quitter ces traditions. While we do not want to give out our traditions.